Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un display origine antique. Donc il est encore scellé, on va l'ouvrir tout de suite pour pas perdre trop de temps et je vous le présenterai après. On verra mieux sans le plastique dessus. Donc bon, bah, je viens de l'ouvrir mais il était bien scellé, sinon on est d'accord. Ceux qui ne me croiraient pas, hein. Oh mon Dieu. Et donc ce magnifique display qu'on va ouvrir, si j'y arrive. Voilà. Oui, je galère. Donc voilà. Donc devant on a un Mega Rayquaza Shiny. Sur le côté on a un Primo Groudon Shiny. Derrière on a un texte avec un Oupa déchaîné. Et sur le côté un Mega Tyranicif. Et on retrouve tous les boosters à l'intérieur. Donc je vais très certainement l'ouvrir en deux parties. Donc on va prendre la moitié. Théoriquement, il y en a 18 de chaque côté. On va juste compter ça et au passage je vous présente les illustrations. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parce que je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bah il y en a 19, je ne sais pas compter. Au pire, bah, il y en aura une de plus dans chaque ouverture. Donc je vais vous présenter 4 illustrations. On a un Primo Groudon qu'on a déjà vu sur la boîte en shiny. Un Mega Rayquaza shiny. Un Oupa déchaîné. Et un Mega Tyranocif. Donc on va commencer tout de suite. Pour ma part, je préfère le Mega Rayquaza. Je trouve c'est le plus beau. Le Tyranocif est beau aussi. Puis sinon, ben ouais. Le Oupa, j'aime pas trop, mais sinon ça va. Donc on est parti. On va commencer ben, par le Oupa. C'est le moins joli d'après moi. Et on se lance direct en espérant avoir de la chance lors de ce display. Donc j'essaie quand même de pas trop déchiqueter les boosters. On va direct les mettre de côté à chaque fois. On commence en premier avec le 1, 2, 3, 1, 2. Je vais vous donner certains codes online, mais pas tous. Donc là, je vous en donne un. Et le 1, 2, 3, 1, 2. Ce serait mieux de le faire pour avoir un peu plus de suspense. Donc, on commence avec un Balbuto, un Zarbi, un Terral, un Mucuscule, un Axolotl, un Meutissma, un Lien Spirituel de Junko, un Apiren. En reverse, une dresseur, un recycleur d'énergie. Bon, ça commence entraîneur, mais ça finira mieux. Et un Kaorin en rare. Donc, je vais mettre les reverse de côté, comme ça décale un peu le fond. On va approcher ça un peu aussi. Et on verra. On continue avec un Mega Rayquaza. C'est parti, c'est parti. Un Mimigal. Un Meowth. Un Magikarp, un Tersal, un Misterbe. J'aime bien l'illustration, elle est simple, mais elle est assez cool. J'ai pas fait le 1, 2, 3, 1, 2, donc ça commence bien. Donc on va le faire maintenant. J'ai aussi complètement oublié avec le code. Bon, bah, ce code, je vais le garder, je vais le mettre là. Donc comme ça, un peu mieux. En plus, j'avais vu la bordure noire du code, en fait, et j'ai cru qu'on avait une ultra ou quelque chose, et je viens d'avoir une déception extrême. Donc, on continue avec un lien spirituel de Junko, un bras écologique, on a beaucoup de dresseurs, donc un casque chance, une énergie spéciale en reverse, et... Ouh, un Farampex! Alors, bon, on a quand même ultra, un magnifique Farampex, ça, c'est cool. On va direct les mettre sous pochette pour pas les abîmer. Ah, ça, c'est bien. Dès le deuxième booster, on a une ex. Et on va la garder de côté. Il y a pas mal de reflets. Donc je vous remontrerai les cartes à la fin. En attendant, je les laisse par là. Bon, les reverse, on s'en fiche un petit peu. Et c'est parti pour le méga Tyranocif. Donc une ultra sur du booster, c'est top. Bon, j'espère quand même qu'on aura des ultras dans ce display, sinon ce sera un peu décevant. Mais pour le moment, c'est assez bien parti. Donc je vais essayer de me rappeler de faire le 1, 2, 3, 1, 2. Je vais vous donner ce code cette fois. Voilà. Et c'est parti. Pour le troisième booster, avec un Pironille, un Gringolem, un Apitrini, un Marest,
un balbuto en très antique, une énergie flash, un Porygon 2, il est cool, un Kirlia, en reverse on a un Pyronie et un Léviator en rare. Il est sympa, il est assez cool. C'est parti, booster suivant. Celui-là, il est mal ouvert, complètement déchiqueté. Un Balbuto, un Persian, un Magikarp, un Pyronie qu'on a eu en reverse juste avant, un petit Mimigal, une Mistymaniaque en dresseur, un Métang, un bras écologique. En reverse, un Migalos et un Entei en rare. Elle est belle. Elle est belle. J'aime beaucoup cette carte. Et on continue avec le prochain booster de Primo Groudon Shiny. Alors, le code, on le met de côté. Parti avec un Mystherbe. Un Tarsal, un Golemastoc, un Marez qui joue dans le sable, un Doudouvet, un Rouleau à peinture, un Orchid, un dresseur top dresseur, un Sepia top. Ouh, elle est belle celle-là. Un Léviator en reverse sont très antiques avec un petit dresseur, c'est cool. Et la carte est collée. C'est quoi ce bordel? Non, attendez. C'est pas possible. Ah d'accord, le Sepia Top est en reverse, mais je l'ai pas vu. D'accord, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Donc un Sepia Top en reverse. Donc on le voit pas du tout, mais il brille. Et un Léviator en holographique alors. Donc une petite holo, ça c'est cool. C'est cool. Oui. Bon, on va le mettre de côté aussi. Hein. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. On va mettre une pochette au Léviator parce que je l'aime bien. Il est beau. Comme ça, il est bien protégé. Je vais juste bouger un peu la caméra. Parce que, voilà. Non. Voilà. Vous voyez le bord, un petit bord du trépied, donc c'était moche. Donc, Mega Rayquaza, j'espère que tu nous porteras chance pour ce booster. Parce qu'on veut des ultras, c'est pour ça qu'on est là. Donc je vais vous donner le code. Et voilà. Par contre, je vais avoir un tas assez énorme de communes et de peu communes à côté. J'espère que ça va pas trop se péter la gueule. Et on continue avec un Sepia Top, un Zarbi. Il suffit que je dise ça, les cartes commencent à tomber. Un Evoli, on l'avait pas encore eu. Et ça fait plaisir parce qu'elle est toute chou cette carte. Un Persian, un Porygon, un Farfaduvet, un Mistymaniaque, un Joliflore, encore une Mistymaniaque en reverse, et un Registeel en rare. Une rare sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce Pokémon. C'est cool. Booster ou pas déchaîné, j'espère que tu seras déchaîné d'Ultra, parce que ça fait toujours plaisir. Donc Evoli est arrivé avant, il est de nouveau là. De nouveau un Miaouz. Un Reliquant, je l'avais jamais encore vu comme carte. Elle est cool. Sous l'eau avec le temple, ça donne bien. Un Apitrini. Un Sepiatop. Un Lisandre. Un Aquali. Alors les évolutions d'Evoli, ça me fait plaisir. Hein. Un Porygon 2. Un Motisma en reverse. Un Regice, on a eu Registeel, maintenant c'est Regice, donc dans le prochain booster on aura Regirock. Si, évidemment il tombe, mais ce sera le booster Regirock, je l'ai dit, ce sera le cas, j'en suis sûr. Je vais sûrement me tromper, pour changer, hein, j'ai l'habitude de me tromper, vous le savez. Balbuto, Sepiatros,
Mécuscule. Un axoloto dans son spa, posé. Un Magikarp, alors le Pokémon céleste le plus puissant. Un Ténéfix. Un Métang. Un recycleur d'énergie. Ah, le Léviator. Qu'on a déjà eu avant. En fait, c'est une rare reverse. Je ne sais pas. C'est une. Bon, je ne sais pas. Voilà, mais de côté. Eh, un Métalos. Mais où est le Regirock? Je ne comprends rien. En très antique, hein, d'ailleurs. Il est beau. On va quand même l'admirer un peu avant de passer au suivant. J'adore les cartes très antiques. Je trouve que c'est superbe beau. C'est pas des full art, mais je trouve que ça fait un bon compromis pour les cartes. Continue avec un booster Primo Groudon. C'est marrant parce qu'on a une illustration de Primo Groudon, mais pas de Primo Cœur. Ce qui est assez bizarre. Enfin, je trouve le code. On a à peu près fait la moitié de cette ouverture. On va voir ce que nous réserve la suite avec un Tarsal, un Gringolem, un Sépiatros, un Balbuto, un Porygon, un Colimucus qu'on n'avait pas encore vu, ça fait plaisir. Une Niveau Ball, celle-là je l'avais jamais vue non plus de carte. Un Ténéfix, un rouleau à peinture en reverse à les dresseurs et un Pyrax en très antique. Il est beau quand même. Il est beau. Prochain booster Primo Groudon. Je crois en lui. De 3 1 2 et cette fois on aura un ultra parce que pour le moment on n'est pas très chanceux parce que j'espère qu'elles sont pas toutes trop regroupées. Ce serait bien qu'elles arrivent à peu près en même temps. Un Balbuto, un Sépiatros, un Mucuscule, de nouveau un Axolotl dans son bain, un fameux Magikarp avec l'attaque trempette épique d'ailleurs, c'est génial. Un Kirlia, un Ténéfix qui sort beaucoup, j'ai l'impression. Une forêt des plantes géantes. Ok. Un Nortide en reverse. Et un Métalos rare. On a eu la version très antique avant. Et celle-là est sympa aussi. J'aime beaucoup. Booster Rayquaza. C'est parti. Je vais donner le code. Et on est reparti pour la suite, ça ne s'arrête pas, on est fou. Un Sépiatros, un Pyronille. Je vais essayer de bien empiler les cartes, si jamais il y a une ultra qu'elle soit bien cachée. Un Gringolem, un Magikarp, un Tarsal en mode voyeur, je ne sais pas ce qu'il voit à travers son mur, mais je ne veux pas savoir. Un Lysandre, de nouveau un Aquali, un Porygon 2, un Kirlia en reverse et. Un Pyrax en très antique qu'on a déjà eu en rare. Une petite double. Booster ou pas. Déchaîné. Enfin déchaîné là. Que je n'arrive pas à ouvrir. Que j'arrive à ouvrir. Un Balbuto. Balbuto, j'ai l'impression qu'il sort très souvent en très antique. Hein. Un Doudouvet, on l'avait pas encore vu, ça fait plaisir. Un Reliquante, un Golem à stock, un Terral, une ville abandonnée, un Farfaduvet, un recycleur d'énergie, une Niveau Ball et un méga Tyranocif X. Ah, ça c'est cool, il est beau. Ah, il est magnifique. J'adore Tyranocif, donc ça fait plaisir. Direct dans sa petite pochette. Ah, ça fait plaisir. Il est beau. Il est juste magnifique. On va les laisser par là, ici, comme ça vous le verrez bien. Et on continue avec un booster méga Tyranocif, bien évidemment. Donc, deux ultras, c'est déjà pas trop mal, hein. Un petit code pour fêter l'ultra, je vous l'offre. Et le 1, 2, 3, 1, 2, et on est parti pour ce booster. J'aimerais bien avoir une petite full art, on n'en a pas encore eu. On a eu des ultras, mais pas de full art, avec un Porygon, un Mimigal, un Miaou se poser sur la plage, un Marest,
un Apitrini, un Colimucus, une Nivobol, un Tenefix, un Tenefix en reverse. En fait, les reverse sur ce de type ténèbres, je les remarque pas, c'est pour ça que j'ai un peu badé. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué, mais les reverse, on va essayer de cacher la carte derrière, elles ont des formes en bas dans le décor, j'ai jamais fait gaffe. Donc, un TFX en reverse est un Entei holographique en 13 antique. Oh, il est beau. Oh, il est sublime. J'adore cette carte. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Elle est juste magnifique. Ah, alors ça c'est bien, une petite holo. On a eu deux ultra, deux belles holos, en 13 antiques d'ailleurs. J'adore les 13 antiques et bon, pour moi c'est un peu comme des foulards, même si c'est pas la même chose. Mais pour moi c'est le même niveau de beauté parce qu'elles sont juste magnifiques. Ah, booster qui veut pas. Booster défoncé aussi. Et il nous reste plus que 4 boosters. Et bon, on est déjà à une bonne ouverture là. Donc ce code, je vais le garder. Et on est parti avec un Napitrini. Un Marest. Un Evoli. Un Gringolem. De nouveau un Torsol. Un Aquali. Un lien spirituel de Farampe. Un joli Flore, un Magikarp qui ira avec notre Léviator en reverse et un Viridium holographique. Ah, il est beau aussi lui. Ce Viridium, c'est pas un Pokémon que j'aime spécialement, mais il est beau sur cette carte. En train de regarder le ciel avec tous les oiseaux qui volent derrière, je trouve ça donne superbement bien. On va le mettre par ici, comme ça vous le voyez un peu quand même. Et il nous reste plus que 3 boosters, 4 pardon, je ne sais plus compter. Et alors il nous reste 2 ou pas, un méga tyranocif et un méga Rayquaza. Donc on va prendre un ou pas d'abord, comme ça il nous reste 3 illustrations différentes pour terminer. Un, deux, trois, un, deux. Ça vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, hein, même si je le fais souvent. Avec un Golem à stock, un Porygon, un Sépiatros, un Misterbe. Les communes commencent à tomber, ça va vite devenir le bordel, il va falloir que je range tout ça après. Un Miaouss, un Migalos, un Rien Spirituel de Tyranocif, un Colimucus, un Colimucus en reverse, et un Golem à stock en très antique, en rare. Il est cool quand même. Je sais pas si on l'a déjà eu, il me semble pas. C'est une carte que j'ai beaucoup vue par contre, celle-là. J'ai l'impression qu'elle sort souvent. Vous voyez, les communes commencent à tomber dans le champ. Allez, on va finir ces 3 boosters. On va se garder le Mega Rayquaza pour la fin. On va prendre un petit Tyranocif, puis le Oupa. Et comme je vous l'ai dit, le Mega Rayquaza à la fin. Le Mega Rayquaza, c'est celui que je préfère, donc il va forcément nous porter chance. Je vous donne ce code. Et on est parti avec un Nevoli, un Doudouvet, un Reliquant, un Golem à stock, un Persian, un Migalos, une forêt des plantes géantes, ah, un Pyroli, on l'avait pas eu et je l'attendais. Il y a aussi un Voltaï dans cette série, donc j'adore les évolutions d'Evoli, donc je suis content de tomber dessus. On continue avec un Doudouvet en reverse et un Apiren en rare, très antique. Elle est sympa. Elle est sympa. Apiren, c'est pas forcément un Pokémon que j'adore, mais la carte donne superbement bien, je trouve. Elle est cool. Avant-dernier booster, booster ou pas, qui est complètement plié en bas. Là, je sais pas ce qui lui est arrivé, le pauvre. Je vais le délivrer de ses souffrances. Je vous donne le code. Et Miaouss, Reliquante, Apitrini, Sepiatop, Misterbe,
Le lien spirituel de Junko, Apiren, Misty Maniac, un Doudouvet qu'on a eu juste avant, il est encore juste là, et un Regirock, il est arrivé, il est enfin là, on a eu les trois Regice, enfin les trois Titans, oui, je crois que c'est les Titans, j'ai plus le mot en tête, en rare. Et dernier booster, et on aura forcément une secrète pour terminer, hein. C'est logique après tout. C'est toujours comme ça, de toute façon. Donc ce code, je le garde, hein, parce que je suis égoïste, des fois. Non, si vous voulez des codes, dites-le dans les commentaires. Je les donne pas tous, comme ça, ils sont un peu partagés. Sinon, c'est tout le temps les mêmes personnes qui les prennent. Un Balbuto. Un Sepiatop. Un Muscule. Un Terral. Un Zarbi. Une énergie spectrale, spéciale, enfin une énergie danger plutôt. Chaque fois, je lis le texte là en haut plutôt qu'en bas. Un Motisma. Une ville abandonnée. Un Zarbion Reverse. Et la secrète, le Kaorin, évidemment. La fameuse secrète de cette série. Bon, bah, un Kaorin en rare pour terminer. On se rattrapera sur la deuxième partie. En tout cas, j'espère que cette première partie vous a plu. Donc, on a quand même eu deux belles ultras. Hein. Méga Tyranicif X et Pharamp X. Donc je ferai sûrement une petite récap à la fin de la deuxième partie. Puis pour le moment, de toute façon, les cartes importantes sont ici. Donc je vous invite à aller regarder la deuxième partie si vous voulez voir ce que j'ai dans les boosters restants. Et puis ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo. Vous connaissez la chanson. Salut tout le monde, bye bye!